Bonjour tout le monde, on se retrouve juste pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo. C'était juste pour vous prévenir qu'il y a maintenant des sortes de. Il va pas avoir. Je vais vous dire quelle réaction de la playlist réaction, même cette vidéo sera dans la playlist réaction, des réactions qui vont être dans la playlist et dans toutes les réactions que je vais faire. Alors pour l'instant, on va s'occuper des vidéos dont c'est sûr à 100% que dont je vais faire une réaction. Et bien sûr, s'ils existent un jour, mais c'est sûr. J'en ai deux en tête. C'est la vidéo des 10 ans du JDG. Et le What the Cut 38 d'Antoine Daniel. Je ferai une réaction des deux. Antoine Daniel, peut-être un jour. Hein. Je vous promets, même si j'arrête YouTube avant que le What the Cut vienne, je ferai cette réaction au What the Cut 38. Même si, franchement, j'ai pas envie d'arrêter YouTube, mais si un jour ça devrait arriver, hein. Bah. Voilà, c'est. Voilà, je ferai quand même cette réaction pour tout. Bien sûr, comme je vous ai dit, la réaction des 10 ans au J, de la vidéo des 10 ans du JDG, que je suis souvent à la progression dans le site officiel du JDG. Après, pendant le confinement, je regarde pas, mais bon, voilà. J'ai vraiment très, très beaucoup hâte. Alors, les réactions qui peuvent venir. Une vidéo de certains youtubeurs par an. Alors, ça serait genre une réaction par exemple à un JDG. C'est un JDG que j'ai complètement mis au hasard. Par exemple, une vidéo qui m'intéresse par le JDG, un par an. Peut-être par Antoine Daniel, un par an. Des trucs comme ça, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Oui, Antoine Daniel, ça sera du vu et du revu, mais bon, ça serait une réaction dont j'aurais déjà vu, mais voilà, j'aime pas trop faire ça, mais je trouve peut-être j'aurais l'envie de faire ça. Bien sûr, la réaction du joueur de Grenier cette année sera la vidéo des 10 ans. Si fin d'année je vois que la vidéo des 10 ans n'est pas sortie, je m'occuperai de. Je ferai une réac vers milieu d'année et je la garderai de côté. Dans tous les côtés, mais l'écriture est déjà finie. Alors je pense c'est quasiment sûr que la vidéo des 10 ans sortira cette année. Oui, alors et bien sûr, les réactions aux bandes annonces de films, ça. Tous ceux qui m'intéressent, ouais, voilà. J'aurai aussi quelques petites informations sur les films que je donnerai dans une autre vidéo. Encore quoi? Après, aussi, ce que je peux faire, c'est faire un épisode, une réaction vers fin d'année de la meilleure vidéo de la chaîne que. La meilleure vidéo qu'une chaîne a fait dans l'année. Ça, voilà, je trouve que ça serait une bonne idée. Ça serait une très bonne idée, même. Alors, bref, je pense que voilà, j'ai un peu tout dit. Alors, les réactions prévues, réactions à la vidéo des 10 ans du JDG et réactions au What the Cut 38. Ensuite, une vidéo par an. De réaction à une vidéo qui m'a l'air intéressante d'un youtubeur, de plusieurs youtubeurs, hein. Ça sera comme ça. Même peut-être chaque youtubeur aura sa date. Et en quatrième position, toujours vers fin d'année, je pense pendant la période des fêtes, j'aurai, allez, entre Noël et Nouvel An, il y aura. Un peu une vidéo tous les jours d'un youtubeur que j'apprécie. Alors ça serait genre 7 vidéos par dans la fin de l'année. La meilleure vidéo de l'année d'un youtubeur. Que bien sûr moi je choisirais.
Et sûr que j'aurais déjà vu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, et c'est un peu l'annonce de ce qu'il va avoir dans la playlist réaction. J'avais très envie d'en parler. Et juste ne vous inquiétez pas, la fiction revient parce que je parle beaucoup trop et même moi ça m'énerve. Allez, ciao ciao!